Yo l'équipe, on se retrouve pour une nouvelle vidéo, l'épisode 14 de la carrière avec l'Atlético de Madrid. Et oui, on est de retour avec 3 matchs comme d'habitude. On jouera d'abord Rayo Vallecano, ils sont bons derniers. On jouera le 4e tour de la Copa del Rey face à Cartagena. Et on retrouve la Real Sociedad qu'on a battue en Ligue des Champions. D'ailleurs, il y aura le tirage des barrages. Voilà, hein, malheureusement, on n'a pas réussi à terminer dans les 8 premiers, donc on va se taper les barrages. Donc voilà, on est le 1er février, le mercato vient de terminer et on a bouclé quand même par précaution une dernière recrue qu'il nous fallait à gauche, vu que voilà, Gallego c'est le titulaire, Hernandez c'est un jeune, voilà, c'est un peu light. J'ai décidé de prendre en prêt Yamakawa, un japonais, voilà, de 22 ans. Bon, c'est pas une fiche exceptionnelle, voilà, on l'a fait un peu à l'arrache. Voilà, on l'a pris vraiment sur la dernière journée du mercato. Voilà, il a quand même des bonnes stats, il a quand même une belle fiche, mais voilà, on n'a pas pu l'observer. On voit que malheureusement, il a des défauts. C'est un joueur assez régulier et n'aime pas les gros matchs. Donc, autant te dire. Voilà, il jouera pas beaucoup, il vient vraiment en rotation. Il y a une option d'achat sur lui que je ne pense pas lever, bien sûr. On verra en fonction des performances. Voilà, on est prêt, j'ai fait l'équipe. Voilà, des petits changements un peu forcés. Voilà, on voit que Gallego est suspendu, donc Hernandez sera titulaire. Sinon, Félix à la place de Mudryk. Sinon, c'est quasi, hein, et c'est l'équipe type qui jouera. Pour ce match, il faut continuer, on est toujours ex aequo avec le FC Barcelone, 53 points tous les deux. Le Barça se déplace à Tenerife, 16e, ouais, je pense qu'ils voilà, ils vont gagner. On voit le Real déjà à jouer son match à l'avance, à gagner 4-0. Donc il faut poursuivre et venir s'imposer, surtout à domicile, face à cette équipe de Vallecano, bon dernier du classement. Hein. Donc... Et alors, où je vous parle, je viens de terminer de voir le match du Portugal. Et une belle victoire, une victoire dans la maîtrise, une victoire qui donne la qualification et la première place de ce groupe. Je suis très très content. Bon, même si on a été effectivement aidé par ce but contre son camp, voilà, de la Turquie. Mais globalement, un très bon match de l'équipe, très sérieuse. Voilà, je préfère quand on joue en 4-3-3, mais voilà, on a été bon dans le pressing, bon à attaquer. Franchement, ça fait plaisir, ça rassure. Match très rassurant du Portugal. Je pense qu'on est sur le bon chemin. J'espère juste qu'on continuera à jouer en 4-3-3 parce que ça donne beaucoup plus de stabilité que de jouer en 3 défenseurs, à mon humble avis. Mais très très bon, vraiment. Bon, ça reste, on va dire, ça reste la Turquie, mais c'était quand même l'équipe considérée la plus forte après le Portugal. Donc, je pense qu'on a fait un bon match. Franchement, 6 points, 3-0, voilà. Il nous reste vraiment un dernier match qu'on aura la chance de pouvoir faire tourner et arriver en 8e de finale avec le 11 bien frais. Bien reposé. Donc c'est plutôt cool, franchement. Sachant que quand tu es premier d'un groupe, tu joues contre le troisième des autres groupes. Voilà, dommage l'opportunité là de Torres qui bute sur le gardien. Donc plutôt confiant là. Je pense que... avec cette victoire, non seulement on se met en confiance, mais on va arriver, je pense, déjà minimum en quart de finale. Hein. Minimum. Et un carton jaune qui tombe pour Valido, notre 6. Allez, corner, peut-être peut venir la faille ici. Ah, attention. Alors, peut-être... Non, le but est accordé. Vamos. On va revoir ça. C'est une tête de Pacho, la nouvelle recrue qui marque à nouveau. Magnifique. Pacho qui... Voilà, hein, qui apporte un peu de concurrence à ce poste-là. C'est vrai qu'on en avait besoin. Ouais, ouais, Pacho qui fait le boulot, clairement. Avec ce but.
Très bon défensivement et voilà, il marque des buts de la tête, c'est rassurant. Allez, João Félix, il est passé, João Félix, peut-être. Oh, dommage, João Félix, sa frappe qui passe pas loin des cages. En tout cas, on mène 1-0, mais on fait le boulot. C'est vrai que, bon, bah, Vallecano, ils ont 11 points, les pauvres. Oh, le tacle violent, ça sent le carton rouge. Et oui, carton rouge pour Pinilla, le joueur de Vallecano qui craque et qui tacle par derrière João Félix. Ah là, déjà, c'était compliqué pour eux. Alors là, avec l'expulsion, attention à Gravenberch, la tête. Et le deuxième but. Vamos. Super but pour l'Atlético. C'est vrai que le centre, il dépose. Hein. C'est qui? C'est Carboni. C'est Carboni qui dépose ce centre sur la tête de Gravenberch. 2-0 en 35 minutes. Propre. Et je pense qu'on va pas s'arrêter là. Torres pour ce corner. Torres qui va chercher au premier poteau. Pacho. Et le but, le doublé de Pacho. Encore lui. Oh là 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 là. 3-0. Ah là, ça commence à peser sur les épaules de Vallecano. Ah, qui vient, oh là là, croiser sa tête. Magnifique, Pacho doublé. Allez, Pacho, il manque 20 minutes déjà dans ce match. Pour la fin de ce match, João Félix qui écarte sur Carboni, qui a vu Buenanote. Buenanote qui joue vers Rovell, Carboni. Buenanote qui peut aller centrer. Et le but de Valentin Torres. Ah, il y a peut-être hors-jeu. L'arbitre va checker. Est-ce que c'est le quatrième? Et c'est le quatrième. Valentin Torres qui marque sur une passe décisive de Buenanote. Et on va pouvoir l'enlever. Torres et mettre Cagarde. Cagarde. Et on va mettre le petit Thierry Chaise, le français de l'équipe. Voilà, il manque 15 minutes. 4-0. Allez, il manque 10 minutes. On continue à attaquer Rovella. Ouais, 5-0. Et c'est le but de Rovella, l'Italien, qui vient inscrire un cinquième but. 5-0. Ouais, c'est compliqué. C'est compliqué pour Vallecano. Oh, Masta. Masta. Oh, ça... Ouais, ça sent le... Ça sent l'humiliation, quand même, pour cette équipe. Du Rayo, Rovella. Et 6-0, Cagarde qui vient inscrire un coup de tête. Aïe, 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 cette fin de match pour le Vallecano. Rovella, Torres, Cagarde, ouais, ça fait beaucoup. Bon, moi, en termes de différence de but, je pense que là, on est plutôt pas mal. Hein. Rovella, c'est peut-être pas fini. Rovella. Rovella qui a du soutien avec Carboni, qui a fait un très bon match. Carboni, Thierry, João Félix. Ah, dommage. Ça y est, c'est fini, on dépasse. Mais il y a dernier corner pour nous. Buenanote. Oh là là, l'arrêt du gardien sur cette tête. Pratiquement à bout portant. Et c'est la fin du match. Victoire 6-0 pour nous. On continue la belle série de victoires. C'est vrai que ça fait longtemps qu'on n'a pas perdu un match. Très très longtemps même. Et le Barça, on va voir si le Barça a perdu des points. Non, non, non. 4-0, donc on continue ex aequo avec eux. Ah, il lâche pas l'affaire. Torres bien parti pour toucher une prime. Pacho apporte toute sa classe. Pacho, il a été très bon. Hein. De la tête, il n'y a rien à dire. Bon, bah c'est cool. Là, on a un match de coupe face à Cartagena à l'extérieur. Et je pense que là, on a le tirage au sort de la Ligue des Champions. Et on va savoir notre adversaire pour les barrages. En espérant ne pas tomber sur du très très lourd. Si on peut nous épargner des grosses équipes. Record d'invincibilité pour l'Atlético de Madrid. La série de 19 matchs sans défaite commencée le dimanche 2 novembre constitue un nouveau record pour l'équipe. 19 matchs sans défaite quand même. Et ça coïncide, je pense, avec le fait qu'on ait changé de tactique. Ah voilà, tirage. Voir le tirage au sort. Bon, on est... On est équipe tête de série, nous.
Ça, c'est l'équipe tête de série. Atlético Madrid, Leverkusen, Benfica, Dortmund, Inter, Marseille, Naples, Monaco. Donc, on peut jouer face à Ajax, Arsenal, Barcelone, Celtic, Newcastle, Roma, Shakhtar et le Sturm Graz d'Autriche. Ah, moi, je prendrais bien un Shakhtar ou un Sturm Graz. Hein. On va pas se cacher. Hein. Ouais, à la limite, Ajax, mais à éviter, franchement. Barça, forcément. Arsenal, Newcastle. Hein. À éviter, hein, vraiment. Allez, débuter le tirage. Ouais, à éviter. Ouais, Newcastle à éviter. Hein. Déplacement en Angleterre là-bas, là. Face à l'Inter. Ouh, gros choc là déjà. En match numéro 1. Match numéro 2, on aura le Barcelone face. Pas nous, s'il vous plaît. Dortmund, autre deuxième gros match. Gros choc au match 2. Allez, Shakhtar. Moi, je prends. Moi, je lève la main, s'il vous plaît. Shakhtar, pour l'Atlético de Madrid, ça serait Benfica. Aïe. Match numéro 4. Arsenal. Je pense que c'est vraiment le pire. Vraiment à éviter, Arsenal. Arsenal face à Marseille. Donc du coup, il nous reste Ajax, Roma, Celtic, Sturm Graz. Déjà, quand je vois ça, je suis un peu plus serein. Sturm Graz, je prends tous les jours. Je prends avec grand plaisir Sturm Graz, Atlético de Madrid. Yes. Donc Sturm Graz, c'est quand même premier d'Autriche devant le Red Bull Salzbourg. Donc, attention quand même à cette équipe autrichienne. Mais clairement, quand on voit qu'on aurait pu se taper du Barça, du Arsenal, du Newcastle, on peut être content. Et donc du coup, on aura Celtic, Leverkusen, Ajax, Monaco et Roma, 100% italien ici, Roma, Naples. Ah, il y a des sacrés matchs hein, quand même. Hein. Il y a des équipes qui vont tomber dans tout ça, des bonnes équipes. Et nous, on joue contre Sturm Graz. Donc attention, mais c'est jouable. Hein. Forcément, c'est jouable. On va juste regarder un peu ce qu'eux, ils ont fait. Ils ont perdu face à l'Inter. Ils ont perdu 7-0 face au FC Barcelone. Ils ont perdu face à Marseille. Ils ont perdu face à Antwerp. Mais ils gagnent contre le PSV. Ils ont gagné face au Real. Ils ont perdu face à Fenerbahçe. Et ils ont gagné face à Midtjylland. Bon. Ils ont gagné quoi? 3 matchs et ils arrivent quand même à se qualifier. Hein, mais bon. C'est jouable. C'est jouable pour nous. C'est largement à notre portée. Très satisfait du tirage. Bon. Juan Manuel León va rejoindre Leverkusen. Je vends ce gardien puisque... Bah en fait, on a déjà notre futur numéro... Notre numéro 1 qui sera Tchétchi. Hein. Et lui, on n'aura pas... Il n'a pas un énorme potentiel. Voilà. Ça, 5 millions, je pense que c'est une bonne vente. On a Tchétchi hein, pour... Tchétchi, c'est déjà... Un autre gabarit. Hein. Donc, ça fera un gardien en moins, tant pis. Bon. Ok, ça c'est fait. Maintenant, passons à la Copa del Rey. Il y a eu aussi le tirage au sort de la Copa del Rey qui a eu lieu. Si on gagne, on va jouer contre Alaves, il me semble. Il me semble. Hein. Attends, fais voir. Calendrier. Si on gagne... Alors, quart de finale, on jouera... Ah non, face à Bilbao ou Almeria. Sachant qu'on le joue à domicile. Le prochain tour. Les quarts de finale. Donc Bilbao, Almeria. Idéalement, ce serait Almeria. Ce serait bien. Léon. Ah, ça avait kiffé. Effet immédiat, hein. Avec effet immédiat, donc là du coup on n'a plus que deux gardiens, c'est ça? Alors, on n'a plus que deux gardiens, on va quand même faire monter. J'aime bien qu'on ait quand même trois gardiens. Et on va faire un autre italien. On peut faire monter en équipe première. Luciano Ferrari. Bon, c'est pas ouf, mais bon. Au moins on en a. Et on va le mettre effectif. Disponible pour jouer avec l'équipe B. Voilà, tac. Bon, les amis, j'avance pour ce match face à Cartagena.
Ils sont 15e. Attention, ils sont 15e. Mais bon, je pense que c'est jouable. Fais voir juste à domicile. Cartagena. Ouais, c'est une équipe qui est... dans le ventre mou à domicile des équipes top. Ok, bon, j'avance tranquillement les amis pour ce match de coupe face à Cartagena. Ça y est, on y est les amis pour ce match face à Cartagena, 8e de finale de la coupe du roi. Allez, on veut aller le plus loin possible et pourquoi pas aller remporter ce trophée aussi. Il faudra passer déjà ce cap et ce tour. Bon, l'équipe elle est faite, hein. Je fais tourner forcément. Parce que bon, je fais de la priorité quand même le championnat. Donc, à part Jean-Félix qui va enchaîner un deuxième match. Lui qui est un peu inquiet de son temps de jeu. Il va enchaîner. Et ça sera Mudryk au prochain match. Hein. Allez les gars, il faut gagner ce match. Pas trop trembler. On sait que les matchs de coupe, c'est assez particulier. Et que parfois, voilà, il y a des surprises. On va essayer d'éviter d'être surpris, justement. Voilà, ils sont 15e de deuxième division. Avec Chechi, Ortega, Gueye, Murcia. Retour de Gallego aussi à gauche. Allez, les gars. Allez, ça part pour le match de coupe face à Cartagena. Ouais, ça prend pas trop de risques. Oh, encore une erreur. Cagarde. Oui! Enfin! 1-0 pour l'Atlético de Madrid. Ah, il avait eu déjà un premier face-à-face. Mais là, il ne tremble pas. Grosse frappe de Cagarde qui vient marquer son but. 1-0 pour nous. Allez, Gallego, on approche de la mi-temps. 43e minute. Toujours 1-0 pour nous. Jean-Félix pour Levchenko. Levchenko qui conserve le ballon. Il va jouer derrière vers Murcia qui fait son retour dans le 11 aussi. Murcia. Cagarde qui écarte. Ça, c'est bien joué pour Ortega. Il a de l'espace. Et c'est pénalty pour nous. Pénalty. Et ça va être João Félix. Ah, ça serait bien de marquer avant la mi-temps. Oui! 2-0. On marque au bon moment. On fait le break dans ce match. 2-0. João Félix sur pénalty. C'était audacieux de sa part. Mais il obtient le corner. Buena noté. Et le doublé pour Cagarde. 3-0. Ah, c'est propre. C'est efficace. Est-ce qu'il y a du monde que je peux faire rentrer à part Thierry. Au milieu de terrain. Ouais, c'est que des titulaires. On va laisser ça comme ça. Ortiz. Johnson. Attention. Ah, beau but, beau but. Ils le méritent, leur but. 3-1. Bon, faudrait pas non plus qu'on se fasse rattraper. Allez, il manque 15 minutes. 3-1. Masta, il est passé. 10e but de la saison pour Masta. Mastantuono. Pour Masta, quoi. 10e but déjà. C'est bien, c'est propre. Thierry. Ortega. Je pense qu'on peut, baisser le rythme. Qu'est-ce qu'on peut faire? On peut faire un petit... Voilà. 5-1. Cagarde qui marque un triplé. Putain, qui je peux mettre à gauche? On va mettre Pacho. Hein. On va mettre Pacho en arrière latéral de soutien. Et on va mettre... c'est tout. Hein. C'est vraiment pour économiser Gallego que je fais ça, qui vient de revenir de blessure. Gallego. Franchement, ça déroule. Et 6-1. Comme si ça ne suffisait pas. 14e but pour Mudryk sur une magnifique talonnade de Cagarde. Ah non, de Pacho. Ok. Putain, Pacho, il rentre. Il a même le temps de faire une passe décisive. 6-1. On avait gagné combien là face à Vallecano? 6-0. Putain, 12 buts en 2 matchs. Ouais, c'est. Ouais.
Ah, c'est bien, les gars, c'est bien. On passe au prochain tour. Et encore une victoire avec énormément de buts. Est-ce qu'il y a eu des surprises? Barça, ça passe. Real, ça passe. Et on jouera face à Bilbao au prochain tour. Là, déjà, ça va être un peu plus compliqué, Bilbao. 6-1. Quart de finale. Cagard, très très bon. On va envoyer l'entraîneur adjoint. Ah, mais du coup... Ah bah du coup changement de programme les amis, ça va être tout de suite. Au lieu de jouer la Real Sociedad, ils ont anticipé le match de coupe. Et on va le jouer dans 3 jours face à Bilbao. Donc on a la possibilité d'aller en demi-finale. On aura le tirage au sort, on verra bien contre qui on va tomber. Mais changement de programme. Et là par contre contre Bilbao, je vais même pas rigoler avec eux. On peut laisser Tchétchi au cage, mais par contre là on va envoyer du monde. Hein. Moi, je te le dis. La croix. Levchenko, on peut le laisser. Rovella. Gravenberch. Mudrik. Torres. Mais après, on rejoue quand? Après, il faut voir aussi le 10. Ouais, 3 jours après, on rejoue face à la Real Sociedad. Ah, le prochain épisode, il va être Real Sociedad, Barça, Sturm Graz. Hein. Ouais. Et du coup, là, je vais quand même mettre Hernandez sur le banc, là. Faut pas déconner. Buonanotte, on va mettre Prestiani. Ouais, on va faire ça. Bon, changement de programme. Du coup, c'est 2 matchs de coupe aujourd'hui. On les avait gagnés hein, en championnat, à domicile. Je me rappelle pas combien on avait gagné 5-0. On avait gagné ça et c'est quand même assez impressionnant. Cette série, ouais, c'est très très impressionnant. Parce que quand même, on met beaucoup de scores. Hein. Ok les amis, on y est pour le dernier match déjà de cet épisode face à Bilbao. On a la possibilité de se qualifier en demi-finale, mais il faudra battre cette équipe de Bilbao. L'équipe, elle est faite. L'équipe, elle est faite, bah, c'est l'Armada. Hein. C'est l'Armada, c'est l'équipe type, à part Tchétchi qui reste au cage. Sinon, c'est l'équipe type. Hein. Bah, si on peut faire rapidement le travail afin de retirer les bons joueurs, parce que derrière, on joue la Real Sociedad chez eux. Allez, j'ai confiance en vous. On va peut-être mettre juste une consigne particulière sur leur attaquant Bilbao. Peut-être un pressing sur Nico Williams, grand crack. Hein, il fait un très bel euro, le frère d'Inaki Williams, là. Nico Williams, très très bon. Hein. Lui à gauche avec Lamine Yamal à droite, ça va à 300 à l'heure. Allez, ça part pour ce match. Dernier match après 2 grosses victoires, mais voilà, contre des adversaires en difficulté. Hein. L'un était dernier de première division, l'autre 15e de deuxième division. Là, on a vraiment un adversaire de meilleure qualité, Bilbao. C'est pour ça qu'on aligne la grosse équipe. Allez, Torres, peut-être. Hein. Marqué tôt. Rovella, qui va jouer vers Levchenko. Levchenko qui peut contrôler et donner à Gravenberch. Gravenberch qui va écarter à gauche vers Mudrik. Mudrik qui rejoue derrière vers Pacho. Gallego, Mudrik. Oh, qui trouve Torres. C'est bien donné. Oh, il y a peut-être hors-jeu. Il y a peut-être hors-jeu pour Valentin Torres. Ah, et le but est refusé. Le but est refusé. On va revoir ça. Mudrik. Ouais. Ouais, quand même. Allez, faut la gagner, faut la gagner. Ouais, c'est bien ça. Gravenberch, Mudrik. Mudrik est extérieur vers Prestiani qui va chercher Torres. La vitesse de l'Argentin, Torres. Ah, il va peut-être y avoir penalty pour l'Atlético de Madrid sur cette faute sur Torres. Que va dire l'arbitre? Penalty. Et ça va être Prestiani pour le tirer. Gianluca Prestiani. Oui! Vamos!
1-0. La Croix, Rovella. Oh, qui trouve Torres. Et le but. Oh non, il y a encore hors-jeu. Non, là, il n'est pas hors-jeu. Là, il n'est pas hors-jeu. Oui. Ah, je me disais, là. Là, il est parti dans le bon timing. On voit que... Ouais, l'autre, il couvre. Super, les gars. Super. 2-0. On fait le boulot. Et attention à Bilbao. Alors, jeu là. Il y a un jeu là sur la remise. Oh, il n'y a pas hors jeu. Bon. Attention les gars quand même. Attention à pas se relâcher. Attention, 2-1. Bilbao qui réduit du coup Gravenberch. Allez les gars, faut pas se... on va les encourager, mais c'est inquiétant là ce qui se passe. Bon, on va faire des changements. Ortega. Mudryk complètement absent du match. On va mettre Buenanote. Et on va mettre Masta. Allez. Waouh, ça je m'y attendais pas. On va enlever ça du coup. Et on va repasser comme ça. Attention les gars, quand même. Hein. Zabalette, Omar Sensé. 5 minutes de temps additionnel. Ils sont passés en 4-4-2. Juste mettre un petit... Non, ça sent les prolongations. Ah oui, on s'est fait surprendre. On va avoir droit à des prolongations dans ce match. Ne laissez pas la victoire vous échapper, les gars. Attention. Bon, en théorie, on a un deuxième changement. Un dernier changement pendant les prolongations, on a le droit. Ouais, mais bon, je pense que niveau fraîcheur physique, on va être mieux. Torres, Rovella, Lacroix, Ortega, Lacroix, Levchenko, Murcia, pour Masta, Jean-Félix. Oh, attention, le ballon. Qui est rejoué. Ok. Ça met du rythme côté Bilbao, mais pour la perte. Buenanote. Pour Torres. Qui va jouer sur Masta. Masta. Oui. Oh non. Putain, je sais pas combien de fois on a eu le droit à la VAR dans ce match. Oui. 3-2. Belle récupération. Magnifique récupération. Allez, maintenant il faut rester en place. Soyez plus disciplinés. Oh là là. Ah ouais, ils sont coriaces, hein, cette équipe de Bilbao. C'est pas du tout le match. C'est pas du tout le même match qu'en championnat. On va mettre Valido. Le portugais. Pour rafraîchir un peu le milieu de terrain. Allez, on conserve. On conserve. Diaz. Super Valido. Masta. Rovella. Ouais. Oui. Ouh. 4-2.
Ok. Jeu là. Alors jeu, bah oui. Ah, tranquille les gars, maintenant on joue tranquille, on se regroupe. Oh là là. 4-2. Compliqué, mais on l'a fait. Pas de chaud pour Murcia. Pas de chaud. Murcia. Allez, maintenant on conserve le ballon, on prend plus de risques. 119, une minute de temps additionnel dans ce match. Mais ça va être une qualification en demi-finale de la Coupe du Roi. Ça a été dur, mais on l'a fait. On s'est fait un peu peur. Mais c'est la qualification. Ça sera soit face au Real, soit face à Riron. On va découvrir ça tout de suite. Est-ce qu'il y a une surprise? Et non. 5-0 et 4-2. Ça va être une demi-finale. En plus, c'est en deux... C'est en match aller-retour. Putain, encore des matchs en plus. Match aller-retour. Hein. Oh là 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 là. Le nombre de matchs. Regardez-moi le nombre de matchs qu'on a au mois de février. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9 matchs en 29 jours. Waouh. Bon. Rovella, il a été étincelant. Il n'y a rien à dire. Changement de calendrier. Jenner blessé. Quart de finale, la logique respectée. Bon. Bah voilà, on s'est fait un peu peur. Prochain épisode, du coup le match il a été reporté. On jouera mercredi. Donc prochain épisode, donc la Real Sociedad, ils l'ont foutu où du coup? Le match de la Real Sociedad, ils l'ont foutu en mois de mars. Ok. Bon bah du coup prochain épisode, Real, Barça, Sturm Graz. Voilà. demi-finale de la Coupe du Roi, match aller face au Real. Match hyper important pour le championnat face au Barça à domicile. Et le match aller de la Ligue des Champions face à Sturm Graz, le barrage. Ouais. Et c'est super important. Hein. Super important le prochain épisode. Hein. Faudra vraiment essayer de se mettre dans de bonnes conditions. Parce que un bon match à l'aller en coupe, ça nous mettrait bien pour le match retour. Là, en gagnant face au Barça, on passerait premier du championnat. Et là, si on arrive à faire un match correct à l'aller chez eux, on devrait passer en 8e. Bon les amis, on se quitte sur ça. N'oubliez pas de liker et de vous abonner comme d'habitude. Et on se donne rendez-vous pour le prochain épisode. Ciao ciao les gars.